Fabrice, un entraîneur heureux, même si ça n'a pas été facile à gérer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match ? Non, ça n'a pas été facile à gérer parce qu'il y a une équipe d'en face qui est très valeureuse. On a eu du mal, après notre premier but, à installer notre jeu. Ça a allongé beaucoup, nos milieux de terrain voyaient le ballon au-dessus et effectivement, c'était, on va dire que c'était pas du beau football. On a su arriver à la mi-temps 1-0. Après, on sait que c'est difficile dans la tête. On prend un but sur coup franc, on saute du mur, il tire à terre. Je comprends pas, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Et on a été plus fort, je crois qu'on a été plus fort dans la tête, vu les demi-finales qu'on a déjà perdues en challenge. Je pense que les joueurs se sont remémorés ça et remis un coup de collier pour offrir cette finale de la Coupe de l'Anjou à tous les FCPC, aux supporters, aux dirigeants, à notre coach qui est au Portugal. T'as un petit mot à lui dire ? Je le remercie de toute la confiance qu'il a apportée pour nous. Et effectivement, c'est très gratifiant de pouvoir assumer des responsabilités comme ça. Maintenant, voilà, Jérôme, à toi de jouer pour la finale. Tu sais contre qui, donc je pense que tu auras à cœur de bien préparer cette finale. Justement, Fabrice, comment vous avez abordé cette finale contre Muragné ? Ça, après, moi, je vais me contenter déjà de préparer le match de la semaine prochaine pour la B. Je laisse le soin à Jérôme de le faire. Je pense qu'il est plus apte à le faire. Et bien sûr, je l'accompagnerai pendant ces 15 jours de préparation. Et on verra comment on peut organiser les choses pour arriver frais à la finale et espérer titiller un petit peu Muragné. Et si on revient quelques instants sur ce match-là, je trouve que vous marquez assez rapidement, qui est quand même une bonne chose, mais vous vous endormez après. Hein. Le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'on a marqué à 4 minutes 30 du début, et bizarrement, on a continué à jouer pendant 5 minutes, et après on s'est éteint, je sais pas, on a reculé, après en face ils ont allongé les ballons. Nous on a fait la même chose, mais malheureusement on n'était pas à la tombée des ballons. Et c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'est que si on n'est pas à la tombée des ballons, pour les gêner, au deuxième ballon on n'y était pas encore, on aura du mal. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, mais voilà quoi, on n'a pas des gros gabarits, et à part derrière où Pierre Richard a fait encore un gros match. Malheureusement, on perd sur mesure Arnaud Briand, Younes. Après, le banc a bien répondu. Donc ça, c'est une grosse satisfaction. Avec sur le deuxième but, la passe décisive sur corner de Quentin Vandamme. C'est une grosse satisfaction par rapport à ça, c'est que les trois remplaçants ont bien répondu et ça nous a apporté un petit peu de fraîcheur. En fin de match. Est-ce que tu as douté à l'égalisation adverse ? Douter, oui et non. Oui et non. Parce que j'avais confiance en joueur. J'avais confiance en joueur. Comme je vous ai dit, on a eu l'expérience avec la demi-finale perdue face au Ponce. Là, je savais qu'ils allaient répondre présent. Bizarrement, avant le match, on l'a senti et ce qui s'est avéré. Donc douter, bien sûr, on se fait égaliser, mais effectivement, on va douter, effectivement. Mais je savais qu'on allait répondre présent par la suite, avec l'envie qu'on avait de passer ce tour-là pour offrir ça à Jérôme. Ça pouvait pas se passer autrement ici à Pelouaille.
Une belle fête du football, hein, avec du monde présent aujourd'hui. Hein. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Enfin, je félicite aussi les supporters de la Poisson, parce qu'ils ont fait du bruit. Ils ont fait du bruit, ils ont encouragé. Ça a été dans une ambiance sympathique. Et c'est vrai que c'est beau de voir tout ça dans une bonne ambiance. Dans une bonne ambiance et sans fait marquant à l'extérieur du terrain. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tes joueurs là? Moi juste félicitations. Félicitations et puis rendez-vous en finale. Rendez-vous en finale. Je serai avec Jérôme. Ça, j'en suis sûr. Je serai sur le banc avec Jérôme. Et on va aller la chercher. On va aller la chercher. On va essayer. On va être le petit poussé, mais bon, sur un match, tout est faisable.